Salut à toutes et à tous, c'est Kudo. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur l'aventure de l'infini. Et la dernière fois, je vous avais laissé, après avoir construit mon robot, qui est dans la maison que j'ai aménagée. Donc, vous pouvez voir comme ça. J'ai mis les coffres, j'ai commencé vite fait à ranger les coffres. On va juste enlever ça, hop. Non. Voilà. Donc les coffres là comme ça, j'ai tout correctement rangé à l'étage aussi, enfin à l'étage j'ai pas encore aménagé, mais voilà, j'ai fait plancher, j'ai fait un petit escalier là au sol, j'ai aménagé avec des lampes de redstone qu'on avait dû récupérer sur des plateformes qui étaient en pleine mer. Et aujourd'hui donc on va commencer à s'attaquer à de nouvelles armes. Vous pouvez voir dans mon inventaire, je suis allé un petit peu farmer des blazes dans les heures. J'ai pas fait ça en vidéo parce que c'était plutôt énervant, c'était quand même chiant, hein, faut dire. C'est énervant là. Pourquoi je suis passé en gris? Bon, alors donc on va tout de suite commencer par prendre les diamants parce qu'on en aura besoin. J'ai rangé comme ça par minerai. Alors donc pour faire des épées bien badass, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, c'est les épées qui sont là, là. Under, Fire, etc. Donc on va commencer par faire un Elemental Sword Under. Donc alors, deux poutres de blaze, un diamant, une blaze rod. Ok, alors on va se faire quelques blaze rod. Quelques poutres de blaze. Voilà, si ça devrait aller. On les met comme ça, on met ça au milieu. On fait ça comme ça, et on a 9, on pourra se faire 9 épées. On va pas toutes les faire d'un coup, mais on saura pour plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme épée? Non, c'est R. Je sais jamais, c'est U. Alors, donc, une Fire Sword, Dark Sword. Ça, c'est les épées de base. Ensuite, on pourra les améliorer. Hein. Vous pouvez tester peut-être la Fire Sword ou la Dark. La Fire, elle me plaît plutôt bien. On va se faire la Fire ou celle-là, ou la Thunder. On va se faire la Fire et la Thunder. Alors, donc il nous fallait en tout 4 fers. Donc on en aura encore besoin. Hop. Et 4 redstone. Non, juste 4, ça me suffira. Alors, donc commençons par la Fire. C'était comme ça, de faire au milieu et un bâton pour la Fire Sword. Ouf, avec le petit bruit là quand on l'a eu. Et là on va se faire aussi la Thunder, comme ceci. Thunder Sword. Ah ouais, sympa, j'adore les bruitages là quand on les a eu. Vous avez vu aussi que j'ai, attendez, je crois que ça va vous éprouver. D'accord, j'ai dû faire une fausse commande. Bon, ouais, c'est plutôt chiant. J'essaie de régler ça, je vous retrouve tout de suite. Et re les amis, donc j'ai réglé le petit problème là. Par contre, il y a un autre problème évidemment. J'ai mis un 102, voire peut-être 103, on verra bien. En fait, j'ai tourné après le problème justement une séquence et qui n'a pas marché. Donc dans cette séquence, j'étais un petit peu me balader dans au village en haut et j'ai crafté une épée comme ça ainsi que un coffre à XP. Je vous expliquerai juste après pourquoi. J'avais récupéré deux blocs de fer en haut et puis ça. Voilà, désolé hein. Mais on va faire d'autres choses, hein, pour me pardonner. Alors, de 1, donc, l'épée devant, on va aller la tester à côté, j'avais déjà testé, mais on va la retester. Donc, on peut voir tout de suite, je vous montre juste son craft, comment j'ai fait. Donc, avec ça, j'ai fait la première épée, et avec ça, j'ai fait celle-là. Donc, elle nous permet de faire des explosions et de se faire bugger, d'aller très vite, de sauter très haut et d'avoir beaucoup de résistance.
On va voir si on meurt. Ok, on meurt. On s'est fait défoncer. C'est pas grave, mais normalement, il y a des résistances. C'est pas extrêmement grave, hein. On est mort, explosé par un creeper en faisant exprès. Ça peut arriver à tout le monde, là, on sait, c'est. On peut se faire exploser par un creeper sans avoir fait exprès, hein. Je vois pas où est le problème. Donc, à part ça, le deuxième truc que j'avais fait, c'était un coffre à XP, donc j'ai tout de suite vous expliquer. Alors, toi, tu vas mourir. Ah oui, d'accord, aussi. Malade. Ciao. Alors, on va retourner tout de suite dans notre magnifique maison, hein. Bien aménagée, tout et tout et tout et blablabla. Bla, bla. Alors, donc, l'XP chest, on va le poser en haut, je pense. Voilà. Ici. On permet tout simplement de stocker notre XP. Donc, on choisit combien de pourcents on veut stocker. Imaginons qu'on stocke 1% d'XP. Hop, stop. Ok, ça fait rien. Donc, on va stocker 100%. Donc, hop, nos deux niveaux sont partis. Et avec ce bouton, on peut les reprendre. Et choisir si on veut tout reprendre. Pas tout. Enfin, vous m'avez compris. Alors, donc, c'est très pratique. On va chercher la table d'enchant, hein, qui se trouve là. On va la mettre à côté. Comme ça, si on veut se faire des enchantes, on sait où aller. Puis, ça rend plutôt sympa. Il y a une deuxième version de cette table, qui est un petit peu plus compliqué à faire. On va poser ça ici et ça là. Au début, j'avais prévu de faire une petite expédition dans une nouvelle dimension, qui s'appelle Good Sleep. Mais il se trouve qu'il faut des minerais en particulier que je n'ai pas, et peut-être j'irai chercher entre les deux prochains épisodes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se faire un portail pour essayer d'aller chercher No. Et ben, aller dans Nether pour faire un petit tour parce que d'un fond c'était fait quand même bien défoncé, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, on s'était bien eu bien mal. Donc cette fois, on va essayer d'être à notre tour de leur faire bien mal aux mobs. Cube de dirt là. Évidemment, je vais pas en avoir assez sinon ça aurait été trop beau. Il m'en manque pile un. Comment on va faire? Je pense qu'on va. Je vais. J'espère que j'ai des lèvres ou un truc comme ça. Ça a bien m'énerver ça. Cette histoire va bien m'énerver. Pas un endroit où il y a des lèvres juste à côté. Évidemment que non, sinon ça aurait été trop beau. Donc on va évidemment utiliser 3 diamants pour s'en faire une de pioche. Hop. 1, 2, 3, 2 sticks. Hop, on se fait une pioche en diamants, on va aller en chercher là en haut. On va se prendre aussi un briquet, hein, pour s'allumer des portails, hein, après. Évidemment, je n'ai pas de. J'ai du gravier, hein. Ne vous inquiétez pas, mais je n'ai pas de flint. Donc on va essayer d'en trouver un. Parfait. Hop, comme ça, on en a un. Alors, on va poser vite fait le gravier. Alors, on se retrouve après une petite ellipse. Désolé, il y a eu un petit peu de bruit. Donc, du coup, j'ai attendu que ça s'arrête. Alors, donc, j'étais en train de parler de quoi? Ah oui, c'est vrai. Donc, on va aller chercher de l'obsidienne. Alors, on va se transformer en ça, cette mouche. On est tellement petit. S'envoie, on va chercher un petit peu d'obsidienne. C'est une pioche en diam, ça. C'était ce donjon que j'étais allé explorer tout à l'heure, hein, avant qu'il n'y ait de bug. Ça va. Ouais, c'est tu fais des trucs, hop 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 hop, voilà, se transformer. Tiens, ça, oui, ça c'est, je sais pas ce que c'est, j'ai dû tuer ça sans faire exprès.
Ah oui, d'accord, non, non. Mauvaise idée. Ça. Parce que je vais pas me prendre de dégâts. Mauvaise idée. Donc j'ai pris un coffre. Eh oh. Ah ouais, j'ai peur. Alors, on était venu prendre de l'obsidienne. On va la prendre, on va pas faire attendre plus longtemps. Toujours aussi long l'obsidienne, évidemment. Encore ça va. Allez, voilà. Ça pour une obsidienne. Et on va étendre les soeurs. Bonjour. Hop, on casse ce bloc-là. Poser là. On se retransforme en formation humaine ou en formation. Ouais. Hop. Hop, on met les cubes là pour que ce soit un petit peu plus symétrique. Comme ça, on se prépare. On va peut-être avant se faire un petit stuff, hein, ce serait sympa. Petit stuff avant d'allumer ça. On va peut-être pas prendre une pioche en diams, hein, pour y aller. On va se faire une pioche en fer. On va essayer de se voir si on peut se faire. Non. Si on peut se faire un petit équipement. Hop, ça, j'allais choper ça tout à l'heure. On va les retransformer en lingots de fer. C'était les coffres d'un donjon d'Opsy. Ça, on repose ça là. Ça, on met ça là. La bouffe ici, comme ça. Alors, est-ce qu'on peut faire des équipements? Déjà, est-ce qu'il y a des équipements qui ont l'air sympas? À part les équipements de base, évidemment. Ça, on peut se faire ça, c'est joli ça. Deux rocs et deux sticks. Tiens, si on se faisait ça juste avant de partir, un petit truc. Et deux sticks, on va se faire des sticks avec ça. Comme ça, on aura une petite réserve. Deux rocs et deux sticks sur les côtés. Un armor stand. Et ça là. Wow. Sympa. Je sais pas si on peut poser une armure dessus, peut-être. On va tester en faisant un clic droit. Ah ouais. Sympa. Voilà. C'est mieux comme ça. Sympa, franchement. Hop, clic droit dessus, ça pose l'armure. Sympa. Hop, on pose ça. Ici, on garde le briquet, la pioche, ça, on va mettre ça là. Non, ici. On prend quand même quelques cubes. Ah oui, un stuff. Alors. Là, il n'y en a pas. Là, j'en vois pas. Ça, c'est le stuff qu'on a tout à l'heure. Avec là, est-ce que ça, c'est quoi? On va s'en faire un en fou de fer, hein. Est-ce qu'on peut ça? C'est un casque. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Avec U. Juste un IV, ok. Pas de choses en particulier. Ta fusil, ce serait sympa de se faire peut-être un arc, enfin une arbalète. Ça fait combien de dégâts? 15. On va se faire une arbalète, hein, on va. Je veux dire vite fait. Ce qu'il y a, ça c'est quoi? Iron Tusk. Clé. On va se faire une arbalète, donc si je me souviens bien, il faudrait déjà un arc. On n'aurait pas ça, c'est parfait. Ce sera plus simple. Peut-être en soigner un. Hop. Une fois les des planches. On va s'en faire avec le hook.
Des planches, et qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? C'est vrai, je me trompe, c'est pas mal. Et 4 fers, évidemment, on en a avec nous. Comme ça. Et comme ça, et c'est pas ça. Donc, il faut un arc pas usé. Ça, on va essayer de se dépêcher un petit peu quand même. Là, ça devrait un petit peu marcher quand même. Voilà. On a une arbalète. On va poser ça. On va peut-être prendre plutôt des cobbles au lieu de ça. Et des flèches. Ok, j'ai 5 flèches. Pas aller très loin avec 5 flèches. On servira en cas de besoin extrême. Alors on va y aller pour la nuit. D'abord, il y a ça qui me stresse, c'est que j'allais fabriquer. On va déplacer. C'est le même style que l'armor stand, sauf que ça vient d'un autre mode. On va poser. Là. Ici. En attendant. Pour poser notre armure dessus. Alors, comment ça marche ça? Ah d'accord, mais ça utilise pas les mêmes flèches. Est-ce que c'est avec des flèches comme ça? Ah oui. Ah bah parfait. Donc un fer, une plume. On va s'en faire. 5. J'ai pas vu si ça en faisait 4. Peut-être. Parfait, on en a 20. On remet ça là. On va s'enchanter notre casque. Est-ce qu'on a mis des niveaux parfaits? Hop, niveau 1, protection nickel. Allez, juste 1. Power 1, nickel. On remet toute notre XP, store. Met ça ici, on se met le casque. Ça, c'est bien que ça marche. Oula! Ok, alors. On recharge. On ferme la porte. Et je n'ai qu'une chose à dire. Enlever le shader. Non. Allez, c'est parti. J'espère que ce sera un petit peu mieux que la dernière fois. Meilleure expédition. Alors, déjà, ça ici, c'est pas le meilleur du truc. Alors, on va commencer par se mettre une fire résistance. On va se transformer peut-être en quelque chose qui peut voler, du genre une crampe à feu, genre ça. Ça commence bien. Alors, donc ce donjon qu'on avait totalement raté la dernière fois, on va essayer de réussir un petit peu mieux. Alors, hop, on va commencer par. Ah, t'es plus nul que la dernière fois, hein? Ah oui, d'accord. Est-ce que ça fait des dégâts? Je regarde vite fait, hein. Ah ouais, 16, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu vas mourir, oui! Le mage là avec 150 points de vie. On va vite faire regarder hein, les alentours. Alors. Ouais, mais par contre, ils font plutôt mal. On va peut-être récupérer la tête d'enchant, hein, ça peut toujours servir. Hop. Alors toi, je t'ai raté, c'est pas top. Alors, continuons notre recherche. Hein. J'ai cassé le spawner. Ah mais d'accord, c'est des transforme en spawner. Ok. Oh. Ah mais elle fait pas très mal notre épée. Hein.
C'est franchement pas mal contre... Enfin, ils sont armés aussi. Oh, un meudon. Un meudon. Non! Ah, il voulait se prendre une potion, hein. Petit. Ouais. Par contre, ça. Toi. Si, c'est il, hein. C'est plus du jeu. Un petit coffre. Parfait. Okay. Y a quelque chose dans le four? Non. On va casser. On va tout voler. Des champignons, ça peut toujours servir. On va prendre la potion de heal. Ah d'accord, c'est que ça, ok. J'aurais pensé que ça donnerait toute la vie. Ah, y'a un portail. Y'a un portail! Oh, j'adore cette arbalète. Si je suis nul avec. Vous pouvez pas me toucher, hein. Vous êtes dégoûté, hein. Vous y arrivez, mais voilà. Non. Back, back, back. Back. Blablabla. Première mort. Mais j'aurais jamais dû prendre un truc aussi gros. Y a pas des petits trucs qui volent. Genre... Genre Blaze. Le Blaze c'est pas mal, le Blaze. Parce que l'autre il est un peu trop gros en fait. Allez, on y retourne. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas fumé du Blaze. Ah si, un peu. Ouah, mais il y a des lags, dis donc. Ah ouais, mais c'est Blaze qui fait ça ou quoi? On va se remettre en fantôme. Ah oui, mais d'accord, les axes, c'est pas que... Attendez, on va essayer de redéployer. FPS. Allez. Alors on se retrouve, j'ai corrigé les bugs, je sais pas. Des petits lags de temps en temps, hein. Ça arrive, qu'est-ce qui se passe si on peut allumer, hein. C'est pas pourquoi. Juste vite fait. Peut-être se remettre au stuff, hein. Ce serait une meilleure idée, je pense. Alors... Ah ouais, mais il y en a partout des trucs. Qu'est-ce que c'est? Il y a des choses. Toi, tu m'as saoulé. Toute ta patrie m'a saoulé, tu vas en subir les conséquences. C'est bien, je peux pas passer. Peut-être se mettre en mais... Elle transforme toi. Ça, je crains pas de feu. Ah oui. On pille tout, on fait comme je fais. On descend. Ah! Va-t'en. Hop, dans l'escalier. Ah non, mais il triche. Hein. Ça va? Non, je vais pas me transformer en ça. Surtout, je crois qu'il craint ce feu. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'il craint ce feu. Dans les fouilles. Oh, mais il y a des choses. On va les embarquer. On embarque les fouilles. La glowstone aussi. Là. Pastèque melon. Quête de l'or. 15. Hop. Alors, ça va. Je suis en la queue là. Normalement, on prend pas feu.
Ah ouais, non mais... C'est la récolte miraculeuse, hein, si on meurt pas... Si on meurt pas, ce serait plutôt bien. Salut, ça va? Tu peux pas passer. Ok. Il y en a plein qui vont spawner. On va peut-être. Non, je vais pas me transformer en ça. Zombie Pigmen Defender. Oh non! Pas de mage. Aïe, 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 aïe. Non, arrête. Je vais mourir! Vite, transformation en je sais pas quoi, un truc qui peut voler. Genre Ouais, mais ils peuvent pas venir dans la lave. Genre ça. Ah. Je vais pouvoir voler parce que là, sinon, ils vont me coller. Ça va pas être le meilleur du monde. Ah, mais d'accord, ils ont une plantation secrète. Comme ça, au calme. On va plutôt sur une grande entrée. Comme ça, au cas où. Mode de secours. Hop, on prend ça, on prend toujours le fil au cas où on sait jamais. Ah oui, mais c'est pas les mêmes. Fait que dans le jeu normal, donc ça va pas nous aider. Hop, on prend un Argostone, on pille, on prend un nénuphar, le blé. Alors, est-ce que à l'étage, ouvre-moi ça. Non, mauvaise idée. Oh punaise. Ah, je suis coincé! Non, mais c'est pas vrai! Bon. Je crois que le Nether, c'est pas fait pour moi, en fait. Parce que sur les deux fois où on y est allé, je suis mort, plein de fois. Je pense qu'on va attendre d'avoir un meilleur stuff. Parce que là, on va chercher le stuff que j'ai perdu et on va se quitter. Sinon, ça va pas faire, hein, j'ai... Je vais arrêter la vidéo sur un mauvais goût. Alors, on va vite chercher Steph. Normalement, il devrait pas avoir tant de spawn. Vite, vite, vite. C'était où? C'était où? C'était où? C'était là. Je suis bête en plus. J'ai. Potion. Voilà, on va se faire comme ça. Viens. Viens, petit. Ah, mais d'accord, ok. Ok, donc déjà, on a tout notre épée. On a ça, on peut s'équiper. T'es sérieux? Punaise. Punaise. Punaise, moi j'ai dit punaise. Pourquoi là, ça leur rend vainqueur? Moi ça m'en rend même pas. Même pas tous mes cœurs. Oh là. C'est pas des blocs. Ça vient. Non mais arrête de partir. Sinon moi j'arrête de jouer avec toi. Hein.
Oh, mais t'es pas drôle, hein. Franchement, t'as peur, c'est ça? Mais pourquoi lag? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que moi je fais personnellement. Après, je sais pas. On va se remettre pantalon dans le casque, on va boucher en bas. On va aussi boucher sur tout en haut. Y a personne. C'est bon. J'y vais. Et la pioche en fait. Non, elle est pas là. J'ai perdu une pioche. Super. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller par là. Prends une potion de heal au cas où, hein, on sait jamais. Hop. Fait, chez eux, c'est des heal 0,5. Ah, mais ouais, d'accord, il y a les trois quarts du stuff qui ont brûlé, ok. Il y a un coffre. Ah ouais, deux blocs d'or.